fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, on est dans notre nouvelle maison. Enfin, Rose a un lit ici. Donc on va passer notre première nuit dans la maison. Ici, franchement, ça va être incroyable. Bon, là, vous voyez, c'est pas la nuit, hein. Vous voyez encore à la fenêtre qui fait jour. Et c'est la première nuit que Lyrose va passer ici. Elle a un peu peur parce que c'est vrai que ces derniers jours, dès qu'on est arrivé, il s'est passé des. Ouais, on entend des bruits un peu chelous. Ouais, il s'est passé des bruits, enfin bref. Mais bon, c'est pas grave. On était pas très serein et surtout que les pièces sont un peu vides, ça résonne encore pas mal. Ouais, mais heureusement, déjà, on entend fort. Chut, regarde. C'est qui ça? C'est. Oh, mais dis pas qu'il est revenu. C'est le clown Marius. J'avais réussi à le virer. C'est le clown Marius. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends, vas-y, baisse-toi. Pourquoi il passe le balai? Mais il passe pas le balai, c'est un râteau. Non, mais c'est quoi ça? C'est toi qui lui as ouvert. Mais n'importe quoi, mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Mais t'es sérieuse là? Mais oui, mais non. Non, mais attends, mais moi je peux pas te faire passer la nuit ici s'il y a le clown Marius. Bah oui, bah. Attends, mince, attends. Comment on va faire? Au pire, on ferme la porte à clé. Faut pas qu'il nous voit, Vite, vite, on va fermer la porte du patio. Non, mais je sais pas comment il est rentré, c'est ça le problème. Ferme la porte. Attends, je crois qu'il nous a vu. Il nous a vu, regarde. Il nous a vu. Quoi? Oh, non. Non, vite, on va en bas, Dans ma chambre. Dans ma chambre, on peut fermer la clé. Allez, vite. Bon les amis, évidemment restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qui va se passer. On va essayer de virer le clown Marius et de comprendre ce qu'il vient faire ici. Regarde, vite, on y va bien. Dans ma chambre. Allez, c'est parti les amis. Allez, let's go. Attends. Ah bah oui, bah là directement, on le voit encore plus. Attends, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Hop. On ferme ma chambre à clé. C'est bon. Oh là là, mais moi je peux pas. Et cette nuit, je suis censée dormir là. Bah. Imagine si. Faut qu'on trouve une solution de le virer. Ou bien tu fermes les stores et tu le laisses là. Attends, il faut fermer les stores comme ça, il va pas nous voir. Voilà, regarde. Regardez les amis, comme ça, c'est électrique. Ici, ouais, tout est automatique, c'est parfait. Je vais allumer toutes les lumières. On va allumer toutes les lumières, comme ça on verra tout ce qui se passe. Non, regardez, il se penche, ça fait trop flipper. Ça fait trop. Vas-y, bouge. Tu sais ce qu'on va faire? Non. C'est que je pense savoir par où il est rentré. Par où? Mais c'est impossible. En fait, tout à l'heure, quand on a ouvert le garage, alors le garage pour nous, il est au sous-sol. Donc, si vous savez pas ce que c'est un sous-sol, c'est comme une cave, c'est sous le sol, quoi. Oui. Voilà. Et il est au sous-sol. Quand on a ouvert le garage. Oh, il est rentré. Ça tombe, il est rentré sans qu'on le voie. Ah, mais c'est vrai, bah vite alors faut fermer le garage. Tout à l'heure, on a fait nos courses et du coup, pendant qu'on déchargeait les. Oh non. Attends, j'espère qu'elle est fermée. Elle est fermée. Oh, c'est bon, parce que oui, on peut aller sur le patio via cette porte. Bon, à mon avis, pendant qu'on déchargeait les courses, il est rentré discrètement par le garage. On regarde pas. Il est allé. C'est ça, il s'est caché au sous-sol. Et ensuite, il est remonté. Et quand on était à l'étage, il est venu dans le patio. Il est remonté par la fenêtre de la chambre. Regardez les amis, je vais vous montrer. Attendez, là-bas, vous voyez, il y a une fenêtre. Ouais. C'est une fenêtre. Bien, on va essayer de le voir. Il a dû remonter par là. On y va ou pas? Attends, il faut faire une astuce. Parce que là, on peut pas le laisser enfermer dans le patio. Parce qu'il peut pas rentrer, tout est fermé. Ouais. Mais s'il reste là, ça veut dire qu'il va rester toute la nuit. Imagine, il trouve un moyen de rentrer pendant la nuit. Bah non, on va pas dormir. Bah ouais, c'est vrai. Au pire, on se cache, dans ma chambre. Il faut faire un plan. Tu sais ce qu'on va faire? Non. C'est le clown Marius, son objectif, c'est de se cacher dans la maison. Ouais. Comme ça, et après. Nous faire peur pendant comme la ça, nuit. Pendant la nuit, il nous fait peur. Ouais. Il vole des objets. Tu sais, c'est comme la sorcière. Oui. Il veut prendre mais des non, objets. Mais là, faut le libérer et le mettre dehors là. Prendre des objets. Donc, ce qu'on va faire. Au pire, j'ai une idée, j'ai un plan. On va ouvrir la porte. Ouais. On le prend et on le met dehors. Non, faut pas le prendre. Je vais ouvrir la porte. Il est rentré? Attends, je vais relever les stores. Oh, purée, ça fait flipper. T'as entendu son rire? Oui. Il venait de par là. Ouais, donc j'allais dire. Alors, si. Écoute. Non, mais faut pas rire là. C'est pas le moment de rigoler. Si il est dans la maison, tu pourras. Il est plus là. Ah oui, il est plus là. Mais il est plus là. Non, reste là. Non, c'est trop pareil. Écoute. Le plan. Écoute le plan. Non, tu l'entends. Écoute le plan. Quoi? Si. Tu le vois, tu cours à la cave. Ok. Tu essaies de l'amener dans la petite pièce. Ok. Dans la petite pièce, tu vois où c'est? La toute petite pièce qu'on peut fermer à clé. C'était une cave
pour ranger des boissons. Avec. Ah oui, oui, ok. Voilà. La pièce qui est dans une pièce. Attends, il a ouvert. Ah non, j'ai cru qu'il avait ouvert la porte. Ouais. C'est là, c'est en fait, il y a tellement de pièces ici. C'est une pièce où au bout de cette pièce, il y a une autre pièce. Tu l'enfermes là. Okay. Et il n'y a pas de clé à l'intérieur. Et tu fermes la clé. Ok, d'accord. Donc tu cours dans cette pièce et tu l'enfermes. Ok. 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 Et moi, j'y vais. Et moi, j'essaie de te suivre comme ça au cas où. Ok, d'accord. Là. Par contre, il faut pas faire trop de bruit. Attends, attends, attends. Faut être discret. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Tu ouvres discrètement. Vas-y, vas-y. Vite, 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 on part discrètement. On part discrètement. Chut. Et à la cave direct. Oui. Vas-y, vas-y. Vite, vite, par là, par la cave, par la cave. T'as dit quoi? Marie. Tu l'as appelé Étienne. Étienne. Marie. Léa. Vite, 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 viens par ici. Bon, désolé les amis, ça résonne encore beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de meubles. Alors. Faut le mettre là. Non, c'est pas ici. Non, non, c'est pas. Non, mais c'est pas ici la petite pièce. C'est ça. Ça, c'est une grande pièce ici. Attends. D'ailleurs, il y a encore de la fumée parce qu'on a mis la machine à fumer. C'est là. Voilà. Et Marius. Faut pas l'appeler Étienne. Alors ici c'est un truc où on met tous les déguisements. Oui. Et là c'est une et là, petite... la pièce. C'est la là. Pièce de la pièce. Voilà. Voilà, c'est la pièce. Il nous cherche. Il est là. Alors tu vas servir d'appât, ok? Ok, d'accord. Tu vas tu cries là et tu dis Marius. Ok, ok. Et là tu t'enfuis par là. Okay. Marius. Mais ils sont où? Marius. Moi je me cache ici. Okay, okay. Ferme un peu la porte. Okay. Non mais pas celle-là. Viens avec moi. Ferme celle-là. Marius, Marius. Marius. Les amis, on va essayer. Viens. On va essayer de le piéger. Venez. Regarde par là. Non, c'est pas là. Ah, je vois de la lumière. Je suis là. Bien sûr. Ah, ah. Vous voici. Je suis là. Ah, vite, vite, pousse-le, pousse-le. Ah. Pousse-le. Non. Vite, vite. Ah non, ferme la clé. Ferme la clé. Oh, c'est bon. On va encore en faire. C'est bon. Mais par contre, imagine, il trouve une solution pour ça. Ah non, non, et là, il faut appeler Peppa Pink et on va le virer. Bon, les amis, heureusement, on a trouvé une solution pour le coup de Marius. Il va pas nous embêter cette nuit, en tout cas. Ah ouais, heureusement, parce que là... Allez, même cette pièce-là, on va la fermer. Allez, salut. Allez. Hop là. Comme ça, ça fait double... Double tour. Ouais. Double tour, triple tour, quadruple. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Oui. Et surtout, allez faire un tour sur notre boutique de vêtements, le Pink Lily Shop, pour les vrais, vrais fans. Oui. Ou allez voir une autre vidéo qui apparaît juste là, ou une autre vidéo sur cette chaîne. Ciao.